l'intérieur. Letchkov. Pignon. Encore énorme. J'arrive. Et finalement, tranquillement, on va essayer de s'en sortir du côté des Olympiens avec Malouchi. Au serre, on a mis un à mi-temps dans une minute. Ah, mais elle est rentrée. François Pignon, Marlène. Marlène? Qui avez-vous viré tout à l'heure, Pignon? Marlène? Comment? Elle est là, Marlène, devant vous. Qui avez-vous viré? Toi, si c'est pour rigoler, tu peux rentrer chez toi. Excuse-moi. C'est une femme blonde avec un imper beige que vous avez foutu dehors. Vous me dites, l'autre folle va rappliquer, l'autre folle va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la folingue. Mais de qui il parle, là? Qu'est-ce que vous lui avez dit exactement? À qui? À ma femme! Rien. Elle revient à la maison, vous lui parlez 5 minutes et elle repart en courant. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je croyais que c'était l'autre hystérique, je vous dis. J'ai pensé, elle a trouvé quelqu'un pour garder les chiens et maintenant elle vient foutre la pagaille, cette nymphomane. De qui il parle, là? Marlène, tu vas être gentille, tu vas rentrer chez toi, j'ai un problème grave à régler. Pierre, écoute-moi. Marlène, va-t'en, s'il te plaît. Quoi? Je m'entasse dans la voiture avec les 3 chiens pour venir te voir et tu me fous dehors! Par contre, c'est Marlène, allez-vous-en, ça va mal tourner. Mais va-t'en, lâchez-moi, vite! Filez, c'est ce que vous avez mieux à faire.